Nous partons le lundi pour le port de Brégançon et Bormes-les-Mimosas. Petit commentaire sur la plage de Carasson en face de Brégançon. Et en route, la troupe. Le fort de Brégançon est malheureusement à contre-jour. Le soleil nous vient plein sud donc de la mer. On ne distingue pas beaucoup. Nous reprenons le bus pour remonter à Bormes-les-Mimosas que nous le voyons avec plaisir. C'est la découverte du village adossé à la colline. Nous partions à la découverte de ce très joli village de Bormes-les-Mimosas, plongé dans la verdure. C'est la découverte de l'église Sainte-Trophime qu'on a pu voir à la télévision lors des séjours de Chirac à Brégançon. C'est la porche. Et l'intérieur, hôtel et ses tableaux. Thank you.
C'est de toute beauté, ça. C'est beau, ça. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Le sang.
serviette hygiénique qui était propre. Oui, comme j'avais rasé. Si elle avait été ça, je pense qu'elle aurait été jetée. Je lui ai tout ouvert, je lui ai tout sonné, vous êtes content. La bonne femme m'a dit. J'ai pris ça, tout viré. Alors elle voulait. Je regarde de pas les. En fait, vous avez un chien, vous voyez ? Oui, oui, oui. Alors c'est devenu évidemment le blason de Saint-Tropez, puisque c'est ça. N'oubliez pas hein, que c'est 5 heures au comment dirais-je au cas. Et que en plus c'est vraiment un point où vous pouvez. Vous savez qu'il y a le musée de la Nanciade et vous devez passer à droite. Après un bref historique de la cité des corsaires, Valérie nous laisse visiter librement la ville que nous connaissons d'ailleurs après quelques visites précédentes. Thank you.
7h15. 7h15. Non, j'ai aimé. Regardez à 1h. 1h, 2h. Vous avez carrément une vue sur l'eau. Vous voyez. Alors, si un jour vous avez la possibilité de prendre le bateau du Lavandou jusqu'ici. Oh, c'est magnifique. La mer, s'il fait beau comme ça, évidemment.